Hébrides. 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 Julie, Julie. C'est... C'est incroyable. Zèbre. Zébré. Zébrure. Mais pas de zébride. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Julie, Julie, Julie. Zébré, zèbre. Tu ne peux pas te déranger, toi, moi. Ah, je t'en prie, n'entrons pas toujours comme une bombe. Que ce soit toujours moi qui me dérange. C'est juste. Nous sommes mariés. Eh bien, c'est... Quoi? Tu m'apportes ton seau de toilette ici. Quoi? Mon seau? Où ça, mon seau? C'est ça! Ah, là! C'est rien. C'est mes eaux sales. Que veux-tu que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi. C'est pour les vider. Ici. Je n'ai pas l'habitude de vider mes eaux dans ton cabinet de travail. J'ai du tact, moi. Alors pourquoi me les apportes-tu? Je m'en vais à me pour les vider. As-tu pour me peser? Pour ne pas te faire attendre. T'avais qu'à les laisser à l'entrée. Tu m'embêtes. T'avais qu'à te déranger, toi. Je cherchais les îles Hébrides. Les îles Hébrides? T'es pas fou? Tu veux y aller ou quoi? Mais pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi un fabricant de porcelaine veut savoir? Bébé? Les enfants ont de ces questions. Papa, où c'est les îles Hébrides? Quoi? Papa, où c'est les îles Hébrides? Les îles Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? C'est dans... Je ne me rappelle pas.
Ah, comme toi, moi aussi. Mais je ne pouvais pas lui dire ça quand même. Qu'aurait-il pensé? Je lui ai dit, essaye de trouver. Et si tu ne trouves pas, je te l'indiquerai. Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché. Et je me suis précipité sur ce dictionnaire. Mais rien. Rien. Rien du tout. Rien dans ce dictionnaire. Hébreu.
îles qui bordent le nord de l'Écosse, où des troupeaux de rats errent dans les landes. Chercher longtemps. Et c'était dans les haches. C'est ce que je disais, dans les haches. Comment ce que tu disais? Eh ben oui, quoi, c'est moi qui ai dit pourquoi pas dans les haches. Mais c'est moi. C'est moi qui ai eu la vision du mot. La vision du mot. Quelle mauvaise foi. La vision. Ha, ha. C'est commode. C'est moi qui ai cherché dans le dictionnaire. Oui, dans les E. Dans les E d'abord. Comme toi avant dans les N. Ensuite dans les H. Oui, quand j'ai dit pourquoi pas dans les haches. Comme t'aurais dit pourquoi pas dans les culs. Oh non, 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 si nous en arrivons aux grossièretés. Des grossièretés, des grossièretés, c'est moi qui l'ai prouvé. C'est moi. Oui, oui. Va t'habiller. Nous avons les chouillous à déjeuner. Les chouillous. Je me fiche, moi, des chouillous. Pas moi. Chouillous est un homme que j'ai intérêt à ménager. Possible, mais j'ai le cadeau. Il s'agit de bébé. Entre bébé et chouillou, n'a pas hésité. Mais quoi, bébé? Dis que tu préfères chouillou. Ça n'a rien à voir. Chouillou doit venir avant le déjeuner pour conférer d'une grosse affaire. Eh bien, conférer. Tu ne vas pas le recevoir dans cette tenue.
je ne sais pas, mais toi, tu ne l'es pas. Et toi, si ça n'est pas grotesque, se mettre en habit à 11h du matin, pour Monsieur Chouillou. Pour ça, ce cocu, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Oui. Cocu, cocu, cocu. Chouillou, cocu, si on peut dire. Faut croire qu'on peut puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, quand je n'avais pas besoin de lui, et maintenant, j'ai besoin de lui. Et il n'est plus cocu. Non. Si. Enfin. Nous n'avons pas à le savoir. Ce n'est pas en tant que tel que nous le recevons. Il peut m'être très utile pour une grosse affaire. Je m'y jette. Ça te gêne qu'il soit cocu? Ça me gêne, c'est que tu m'emmènes au fond de jamais. Je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame. Ça ne se fait pas. Et son amant, monsieur Truchet, t'étais obligé de l'inviter. Évidemment, c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. C'est admirable. Nous les avons tous les trois. L'adultère est au complet. Ah, c'est mal. Je les contacte pour ta femme. Il ne les aura pas toujours. En attendant, il les a. Évidemment, sa santé morale, comme sa santé physique, de tous aussi, comme de l'an 40. Ah, oui,
est un peu constipé. On ne plaisante jamais avec la constipation. Eh bien, il n'y a qu'à le purger. Il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux, ce but du dénat. Mais n'en mourra pas. Nous parlons de ton fesse. Tu n'as pas l'air de ton côté. Il est de toi. Je l'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chagot. Quand j'ai un enfant, il est de mon mari. En voilà assez. Va purger, bébé. Un drame, tant pis, laisse-moi, j'ai à me recueillir avant l'arrivée de Chouillou, va t'habiller. Ce pauvre petit. Qu'un objet vil qu'on dissimule, tandis que ça, c'est un objet vil qu'on dissimule. Oui, pour toi, pour n'importe qui. Quelque chose d'anode, le produit de mon travail, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh bien, bon appétit, mange, mange, mon ami. Blague, blague, tu ne blagueras pas toujours. Quand on en fera 300 000 de rente. 300 000 de rente pour des pots de chambre. Des pots de chambre, parfaitement. Ça t'étonne, et pourtant, s'il plaît à Dieu et à Chouillou, ça se fera. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas d'histoire. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif: améliorer le sort du soldat. Il vient de décider que chaque soldat de l'armée française aurait son masque de nuit. Ça en fera une masse. Et Chouillou, il est chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé. Tu comprends pourquoi il faut le ménager. Et moi, j'ai le brevet de la porcelaine incassable. Incassable. Incassable.
machine, que la commission adopte mon projet. Ma fortune est faite. Les autres mèneront à quoi ça? Et je deviens le fournisseur exclusif de l'armée française. De l'armée française. Et on le saura. Bien sûr, bien sûr, on le saura. Vaste nuit tous les jours. Tu es pour ce c'est normal que tu en vendes, mais vendre exclusivement des pots de chambre, même pour le compte de l'État. Oh non, mais non. Mais t'es folle, mais réfléchis. À Chouillot, j'espère. Je n'ai rien donné à Chouillot. Et quand il sera là, sois poli, sois aimable. J'ai les anges du monde, moi. Je n'en doute pas. Va purger, bébé. Va t'habiller. Emporte ton seau. Dépêche-toi, c'est sûrement Chouillot. Voyons, 300 000 soldats, un vase de nuit par homme. Si le vase de nuit revient... Mais ne vous pose piéger. Eh bien, force-le. Apporte-moi ça. Je m'en fiche, ce sont tes os sales, pas les miennes. Je te les donne. Julie, t'es folle. Je te les donne. Julie, je te les donne. Je t'y emporte. Oh, pardon, monsieur Chouillou, déjà. J'arrive trop tôt. Du tout, du tout. Excusez, ma femme est venue ici avec ça à la main. Et alors par distraction, Julie, Julie, viens. Je suis confus, vraiment. Surtout un jour où j'ai l'honneur. Moi, qu'on s'occupe de notre appart. Ah oui, oui, c'est le pot de chambre, c'est le, oui, vous avez reconnu. Ça me paraît pas mal, bien conditionné. C'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention. La porcelaine ordinaire, nous n'en voulons.
la moindre des choses, il s'est cassé. Tout de suite. Ce serait gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Connaisseur. Pas plus que ça. Ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main. Faisons ça en blanc et en couleur, aux couleurs nationales. Si vous le désirez. Oh non, oh non, ce serait prétentieux. Une dépense inutile. C'est à voir. On m'a aussi présenté des vases en tous les maillets. Ce n'est pas mal non plus. Oh, monsieur Choyot, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Ça sent tout de suite mauvais. Ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Son seul défaut, c'est la fragilité. Eh bien, dès qu'on a paré à son inconvénient, tenez. Vous allez voir la solidité. Non, non, ici, ça ne prouverait rien. Mais là, vous allez voir, là-bas, monsieur Joyot. Non, restez ici, regardez là-bas. Suivez-moi bien. Une, deux, trois. Non, 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 non. C'est bien cassé. Je ne comprends pas. Je vous jure. C'est la première fois. Il s'est peut-être trouvé une petite faille. Peut-être oui. Au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience.
comme on dit. L'exception confirme la règle, confirme-la. Jamais, jamais, ça ne se casse. Jamais, jamais. Ou alors, une fois sur mille. Ah, une fois sur mille. J'ai là un autre exemplaire. Ne tenez pas compte de celui-là. C'est une mauvaise cuisson. Ah oui, mauvaise cuisson. Voilà, voilà. Regardez bien. Une, deux. Non, tenez, lancez-le vous-même. Moi, moi. Pour mieux vous rendre compte. Mais c'est la première fois que... Allez, allez. Une, deux. Allez. Trois. Voilà. Ça doit tenir à la façon de le lancer. Quand c'est mon contremaître qui me l'envoie, jamais, jamais, jamais. C'est vraiment très intéressant. Pas encore ça. Vous avez pu vous rendre compte de la différence entre la porcelaine cassable et la porcelaine incassable. Ces expériences ne sont pas très concluantes. Mais si, mais si, je me rends très bien compte. Ce sont ces mêmes vases-là seulement, au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Je vous prie, ce petit me rendra folle. Tu perds la tête. Regarde-toi, je t'en prie, monsieur Chouillou. Je m'en fiche de ton chouillou! Mais je t'en prie, monsieur Chouillou, ma femme, monsieur Chouillou! Madame! Bonjour, monsieur Chouillou! Mais si, je ne peux pas venir à bout de ce petit quand on lui parle de purgation. Je regrette,
Je suis en conversation avec Monsieur Chouillot. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Si tu crois que je peux m'habiller avec ce petit. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur. Oui. Mais il a rien, il a rien. Paresseux des intestins, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu vois ce que dit monsieur qui a du savoir. Ah, vraiment, monsieur Chou. Est-il sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Il a une tendance, oui. Eh bien, il faut surveiller ça, car un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Tu vas, j'ai souffert d'une entérite qui m'a duré 5 ans. Et il est à 3 ans de cure en plombière. Alors, pour bébé, vous croyez que plombière? L'entérite à forme constipée, Châtel-Guyon conviendrait mieux. Ah, j'avais l'entérite. Pardonnez-moi cette confidence. L'entérite relâchée. Relâcher, oui, relâcher. Alors Flambiard était désigné. Et demi.
De son régime à plombière. Je m'en fiche, moi, de son régime de plombière. Pour bébé, c'est cet aiguillon. Je ne suis pas là pour écouter. Parler de Châtel-Guyon, ça y est,
maintenant, elle n'en aura plus que pour Châtel-Guyon. Désolé, si à cause de moi, du tout, du tout. Seulement, quand vous lui avez parlé de plombière, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça ne m'intéressait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Comment, comment? Voilà ce que j'entends depuis une heure. Comment, mon petit garçon, un grand garçon comme toi. C'est quoi ça? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. On ne te demande pas ce que tu veux, espèce de petit garnement. Tu t'imagines peut-être... Ah, comment finis-toi? Zut! Petit ami, c'est comme cela qu'on est raisonnable.
appelez-vous? Réponds. Je veux pas me purger. Il s'appelle Toto. C'est le diminutif d'Hervé. Ah bon? Quel âge avez-vous? 7 ans. Quand on a 7 ans, on ne fait pas d'histoire pour se purger. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Quand j'avais ton âge, mes parents me disaient: ta gueule! Comment? Tu vas m'obéir, espèce d'avorton. Mettez feu. Il a dit ta gueule. Eh bien quoi? C'est français. Je te ferai une surprise, une vraie surprise. Quoi? Quoi? Je te dirai. Je veux pas savoir. Cet enfant a de la volonté. Oh oui, il en a. Je veux le bonbon d'abord. Non, après. Non, avant. On te donnera le bonbon avant. Mais après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu promets? Oui. Pardonne. Oui. Pardonnez-moi. De vous faire assister à cette scène de famille. Mais c'est très intéressant, surtout quand on n'a pas d'enfant. Non. C'était beau. Oui. C'est honteux de moquer ainsi
à ta parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Oh, moi, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Je veux pas qu'il se purge. Tu entends? Tu entends? Il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Quoi? Mais tu n'y penses pas. Comment ce petit est de mal élevé. Tenez. Oh. Soyez gentil, soyez gentil. Mais non, mais non. Un demi-verre suffira. Tu perds la tête. Non, mais non, désolé. Monsieur Chouillou n'est pas ici pour se purger. Madame, je vous ai dit que l'état de mes intestins... C'est évident. Ce n'est pas un demi-verre qui lui fera du mal. Julie, je te félicite. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Il ne l'est
n'est peut-être pas. Mais il faut pas le lui dire. Maman, maman! C'est quoi un cocu? Mais non, voilà des choses à dire à un enfant. Si seulement il aurait pu tout de suite. Quand on est invité, on prend ce qu'on vous offre. Monsieur Follavoine n'est pas là. Parlons avec le cocu. Comment? C'est fou!
Mais qui vous l'a dit? Demandez à monsieur. Demandez à madame. C'est vous, monsieur Joyeux. Mon ami. Arrière, je ne veux plus vous voir. Arrière. Je t'en prie. Mon ami. Non. Restez. C'est vous qui avez dit cela. Mais non, c'est un malentendu. Vous m'en rendrez raison. Nom de Dieu. Tu es content. Voilà ce qui arrive avec tes histoires. Moi. C'est ma faute. On me chiffre à cause d'elle. Et c'est ma faute. Maman! Que veux-tu, mon chéri? Voilà! J'ai bu! Quoi? La purgation! Tu l'as bu? Oui! Non. J'aime bien m'en aller.
j'aime mieux quitter la maison. Bastien! Allez, entrez au bout, garçon! Je m'en fous, je m'en fous! Merde! Merde, merde, merde.